Souvent, on dit qu'il ne faut pas juger, mais au fait, pourquoi on dit ça? Et ça semble comme une évidence, hein? Vous avez entendu ça, vous aussi, on n'arrête pas de répéter, il ne faut pas juger. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas juger? Bah, tu sais bien pourquoi il faut pas juger, tu vois bien, il y a des jugements racistes, il y a des jugements homophobes, il y a des jugements sexistes. C'est pour ça qu'il faut pas juger. Quand tu juges l'autre, il se sent rejeté, quoi. Tu es en train de rejeter l'autre, toi tu veux juger. Eh oh, attends, t'énerve pas comme ça. Ça c'est pas des jugements, ça c'est des préjugés. Donc, ok, il ne faut pas préjuger, mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas juger? Bah, c'est quoi la différence? Bah, un préjugé, tu l'as, t'as même pas réfléchi, quoi. Ça s'impose comme une sorte d'évidence, forme d'a priori. Un jugement, par contre, t'as pris le temps de réfléchir. Ouais, mais si tu me juges et que tu me dis que je suis intellectuellement un petit peu faiblard, que j'ai tendance à m'accrocher à mes privilèges, que je suis paresseuse, que je suis prétentieuse. Tu vois, tu me mets dans une catégorie et je peux plus en sortir. C'est encore une façon de me rejeter, de me condamner. Attends, là, je suis pas tout à fait d'accord parce que on peut juger sans avoir l'intention d'enfermer quelqu'un dans une catégorie pour s'en débarrasser parce que ça revient à peu près au préjugé. Non, on peut juger de certains traits. Ça donne de la clarté, en fait. Ça permet d'évaluer à un instant T. Ben ouais, là, Laurence, t'es peut-être un peu prétentieuse. Bon, ben voilà, hein, ça t'enferme pas à tout jamais là-dedans. Ben ouais, là, toi, t'es peut-être un petit peu complaisant, tu vois. Quand tu mets plein de petits cœurs sur Facebook, t'as peut-être un petit peu ce problème-là. Ouais, t'es complaisant, bon, ben, regarde-le. Donc le jugement, est-ce que ça nous enferme ou est-ce que ça nous libère? Parce que d'un côté, on voit bien que ça peut nous enfermer quand c'est fait pour rejeter les autres, mais d'un autre côté, ça nous libère. Si je me rends compte que je suis prétentieuse, bah alors je vais pouvoir me libérer de ma prétention. Elle ne sera plus pour moi un enfermement, tandis que si je m'en rends pas compte, bah je vais continuer à être prétentieuse avec tous les problèmes que ça peut poser. Et j'y serai enfermé puisque je ne le sais même pas. En revanche, si j'en prends conscience, alors je peux jouer avec. Oh bah, pourquoi pas être prétentieuse, assumer ça, puis voir par exemple ce qui se passe chez l'autre quand on l'est. Bon, ou peut-être essayer de l'être moins, parce que pourquoi on est prétentieuse, une sorte de carapace? On se croit au-dessus des autres, puis comme ça on va pas trop se mélanger à eux parce que quand même ils nous dégoûtent un peu, non? Donc les jugements, ils donnent une clarté qui est plutôt libératrice, hein. Alors, pour ceux qui étaient fâchés avec les jugements avant d'écouter cette vidéo, est-ce que vous avez changé d'avis ou est-ce que vous maintenez qu'il ne faut pas juger? Et dans ce cas-là, allez-y dans les commentaires. Dites-moi pourquoi il ne faut pas juger. Si vous avez de bons arguments, alors je les entendrai.